Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Monsieur le chef de cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration publique guinéenne. Monsieur le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les membres du bureau consulaire national. Madame la secrétaire générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Madame la secrétaire générale de la Confédération générale des entreprises de Guinée. Serge opérateur économique. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades, tout protocole observé. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce soir avec vous pour présider cette cérémonie de remise officielle des Jean-Jean Rouen au président des bureaux régionaux de la Chambre de commerce. Vous le savez, comme moi, que la République de Guinée, dans son élan de développement économique, fait de l'épanouissement du secteur privé guinéen l'une de ses priorités. C'est pourquoi, dès l'avènement du CNRD, sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et sous l'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Bernard Goum, nous nous sommes attelés à opérationnaliser la Chambre de commerce de l'industrie et d'artisanat de Guinée, mais aussi le patronat unifié qu'on appelle aujourd'hui la Confédération générale des entreprises de Guinée. Vraiment, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour répondre aux préoccupations des usagers, mais aussi satisfaire aux engagements ou aux exigences de la lettre de mission qui a été assignée à notre ministère. Parce que dans les objectifs généraux, il nous est demandé de qualifier les services fournis aux usagers. Cela suppose que les cadres même sont dans les conditions idéales de travail. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous sommes là pour renforcer les capacités opérationnelles de la Chambre de commerce, de l'industrie et des PME à travers l'octroi de ces engins roulants. Donc, je ne serai pas si long, je serai très brève. J'invite tous les bénéficiaires à faire vraiment bon usage de ces matériels, de ces engins roulants, qui servira non seulement d'être à proximité des autres représentants de la Chambre, mais de servir de liaison entre les opérateurs économiques et le ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Donc, je ne serai encore une fois terminée sans remercier le bureau consulaire national de la Chambre et tous mes collaborateurs qui, sans relâche, nous travaillons ensemble jour et nuit pour permettre à la Chambre d'atteindre la mission qui lui est assignée. Encore une fois, merci d'être venu. Je vous remercie.